donné le blues au miroir. Laisser s'envoler les oiseaux. Pas de droit sur les musiques jouées. Pas de droit. A fâcher ton reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Belle, comme un rocher d'océan, un éclat de cristal qui éclaboussait de blanc et la haine et le mal. A donner le blues au miroir. Aux photos des tiroirs, elle a donné des émotions au fil de ta béton. Pipé amer camé et du camido. Et du camé plutôt. À ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher mon Dieu aussi belle. Mais elle ne me voit pas. C'est moi, belle, comment faire, dites-moi, pour qu'on vienne, elle me voit, si elle veut partir, je vais en mourir. Belle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner. Avec moi la couleur à l'eau, dans l'infini beauté, à me laisser désespérer, de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté, sans un peu la trahir. Mais la pouvoir toucher la tête et dire c'est rendu bourreau, à chasser mon peur, à brûler les drapeau, elle a imposé le silence au clairon, au tombeau, à retourner de l'espérance, oser exclure l'amour. Ah, le nom du chanteur, attendez, je vais vous donner. À ne pas oser l'aborder, c'est des péchés mortels d'approcher mon Dieu aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Elle sait déjà que c'est elle, que c'est moi. Ouais, comment faire, dites-moi, pour qu'on fait, elle me voit. Si elle doit partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. C'est la magie. Attendez, je vais vous donner le nom. Claude Barzotti. Attendez, vous allez le voir. C'est Claude Barzotti. Attendez. Oh putain. Voilà, c'est lui-là. Claude Barzotti. C'est Claude Barzotti. Vous avez vu comment Elie Sohan, lui, dès que c'est la musique, il écoute, il est attentif. Oudou. Alors, il écoute, il est attentif. Ah! C'est... Ah! Ah! Ah!
Voilà. Alors, j'espère que ma mère est connectée. J'espère qu'il est connecté à mes caméras et du caméra. J'espère qu'il est connecté. On doit faire un nombre pour... on va encore écouter un peu de Claude Barzotti. On va encore un peu écouter quelque chose. C'est-à-dire le 16e du Cameroun. C'est ça qui est ça. Le 16e du Cameroun. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça, pas autrement. On ne triche pas. Ici, c'est le 16e. Et vous savez que le 16e, c'est l'endroit quand même le plus cher de Paris. Hein? Donc ici, c'est le 16e. Il y a Yaoundé et Yaoundé. Je suis à Yaoundé, 16e arrondissement de Paris. Mm-hmm. C'est ça. Appelez-moi Amer Kamer et du Kamer. Voilà. Appelez-les et puis on va... On va faire beaucoup, on va faire du remember. On va faire du remember parce que j'aime pas les gens qui ont les côtés mémoire. On va arrêter la musique parce que c'est très important. J'aime pas les gens, les personnes qui ont des côtés mémoire. Ah, du Cameroun, je n'aurai pas grand chose. J'aurai juste à le recadrer par rapport à la petite vidéo que j'ai, la petite coupure que j'ai vue parce que j'ai même pas regardé la vidéo. Heureusement qu'il y a des coupeurs qui nous mettent au courant de certaines choses. Alors, du Cameroun, je vais commencer par toi parce que ça va aller un peu vite. Une seconde. Je t'ai entendu dire que quand tu parlais avec Amer Kamer sur cette petite vidéo que j'ai d'ailleurs partagée, je t'ai entendu dire que oui, son fils ne m'aime plus, soit son fils me clash parce que j'ai dit à sa mère de laisser un voutou tranquille. Du Kamer, moi je vais te répondre. Déjà, mes enfants sont très très bien élevés et ça je le décrète, je ne te demande pas. Tu es, c'est pour ça que je dis, c'est quand même malheureux, c'est très malheureux. Je ne pouvais pas savoir que sur cette toile, tu pouvais même ouvrir ta bouche sur mon fils parce que mon fils a été très gentil avec toi. Quand on commence à donner l'argent sur Facebook, que je voyais les gens donner de l'argent, je ne sais plus comment vous appeliez ça. Mon fils a choisi ton mur, c'est là où il versait tout l'argent. Il te donnait l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, quand tu as adopté... quand tu as adopté ma fille, là... Excusez-moi, j'ai des problèmes parfois pour retenir les noms. La belle, là, la belle qui a doigt, là, là. La jolie fille de Mafo, comment vous l'appelez? Oh là là. Oui, quand il fallait donner... Non, ce n'était pas les étoiles. Au début, ce n'était pas les étoiles. La lionne, voilà. Après, c'est, tu étais avec la lionne. Quand il donnait à la lionne. Après, il s'est dit, mais toi, tu es en Europe. La lionne est au Cameroun. La lionne a plus besoin que toi. C'est comme ça qu'il commence à donner de l'argent. À travers la carte bancaire, là, à la lionne. Tout le temps, tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, tu m'aurais dit, moi, je ne te suis pas. Donc, je ne pouvais même pas savoir si tu m'as dit de laisser Marlène et Mvoutou tranquille. Mais je pense quand même que tu as compris que tu n'étais pas à la hauteur de me dire, de me donner un conseil sur ce que je dois faire ou sur ce que je ne dois pas faire, en fait. Marlène et Mvoutou a manqué du respect au président, a manqué du respect à la première dame et a manqué du respect au Cameroun. Alors, si j'avais même écouté le jour où tu me dis, tu m'aurais interpellé que je laisse Marlène et Mvoutou tranquille, j'allais vous mélanger. J'allais vous mélanger, j'allais t'attendre au Cameroun. Alors, Loïc ne s'est jamais mêlé de tout ça. Heureusement, moi, je vous ai toujours dit, Amer et moi, on n'a plus les mêmes ambitions politiques, mais on se respecte. Tu as vu comment Amer Kamer t'a recadré. Tu as voulu l'embêler là. Il t'a dit, parce qu'Amer Kamer connaît ma maison. Il connaît très, très bien. Il sait tout. Et tu as dit, il t'a dit, non, mes enfants sont parfaitement intégrés. Mes enfants en comportement n'ont rien à voir avec
la peau noire. Moi, je te le dis. Loïc est très généreux et tous mes enfants sont comme ça parce qu'ils ont pris ça de moi. Et que toi, aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que tu veux cracher sur Loïc juste parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a... Loïc ne se mêle pas de mes affaires. Même quand j'avais les problèmes avec les dames de Facebook et tout, Loïc n'avait jamais manqué de respect à une maman parce qu'il sait qu'on ne manque pas du respect à une maman. Même quand ça se passait, il était toujours en train de protéger les mamans. Et ça, ça devait te marquer pour que tu n'ouvres pas ta bouche. Tu n'ouvres pas ta bouche et que tu prononces le nom de Loïc quand tu parles avec Amer Kamer, qui est mon ami. Alors, franchement, si c'est ça Facebook, ou aujourd'hui, tu perds l'ami de quelqu'un, demain tu craches, tu fais tout ce que tu veux. Honnêtement, ça me dégoûte. Je ne sais pas si tu as voulu, mais je n'ai pas écouté le direct. Je me limite qu'à ce que j'ai écouté. Voilà. Donc, alors, peut-être Loïc est ailleurs, peut-être Loïc donne ailleurs, je ne sais pas. Mais ça ne me regarde pas et ne mêle jamais, jamais mon fils de ce que tu fais. Aujourd'hui, il se mêle pas de mes affaires. Mon fils ne se mêle pas de mes affaires. Tout au contraire, même si c'est comment, vous allez voir qu'il respecte toujours les femmes qui sont mes adversaires. Il respecte toujours ces dames-là. Il c'est pas comme certaines mamans comme Malène et Mvoutou qui prend sa fille, elle mêle dans le truc pour faire le melting pot, elle les mêle là-dedans. Non, tu ne peux pas manipuler mes enfants dans Facebook. Jamais de la vie. Tu ne peux pas les manipuler. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire à Dukamer. Quant à Amer Kamer, hier, j'ai répondu comme ça, là, en passant, parce que je n'avais pas écouté. Tu as parlé dans sur cette vidéo pour dire que tu as dit plusieurs fois, je connais Guylaine. Et vous voyez, quand je parle de Guylaine, j'ai des limites. Tu l'as dit. Parce que toi-même, tu as remarqué que j'étais tiré, mais j'arrive même pas à te manquer de respect à mes gamins. Tu as parlé de Fleur de Lys. Il faut que je clarifie ma relation avec Fleur de Lys. Parce que beaucoup de gens disent, oui, Fleur t'avait clashé aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, tu avais Fleur et tout et tout. Je vais vous dire... Voilà, Marc Larose. Je vais vous dire quelque chose. Au début, quand j'entre dans Facebook en 2018, c'était pour la politique. Et il y avait encore le désordre. Le désordre comment? Ça veut dire que si tu étais pour le RDPC, tu étais ennemi de ceux qui étaient pour le MRC. Si tu étais pour le MRC, tu étais ennemi de ceux qui étaient du RDPC. Et ça a créé un très gros désordre. Ça a créé un très gros désordre. Donc ça fait que quand je me démarque en étant violente par rapport au RDPC, Flo un jour a fait une sortie, elle a dit, celle qui s'agite là, dans le RDPC, tu ne seras jamais phonie. Je vous dis, pour celles qui ne connaissent pas l'historique, parce qu'il faut que cette histoire s'arrête. Elle a dit, elle ne sera jamais phonie. On est seulement venu me dire, honnêtement, je vais vous dire, les gens qui sont venus me dire, les Marie-Paul et tout, ils ont dit, c'est l'occasion. Parce que c'est celle-là qui va réunir toute la diaspora pour le MRC. Ma réaction a été violente, plus que le mot que Fleur de Lys avait dit en passant. Écoutez-moi très bien. J'ai commencé à entrer dans Flore. Plusieurs fois, elle ne répondait pas. C'est quand Flore pète les plombs que Flore me répond. Et elle et moi, donc, devenons des adversaires politiques, facebookales et sociales. C'est-à-dire qu'on se lançait les flèches et tout et tout. Vous avez compris? On se lançait les flèches, Flore. Et c'est la base, c'était la politique. Quand Amer arrive au Cameroun. Et ça a créé vraiment la reine parce que c'était encore l'atmosphère où MRC et RDPC étaient ennemis. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas. Même si Flore est présidente du départemental
du MRC de Douala, ça ne me gêne en rien du tout. Parce que nous sommes tous Camerounais et chacun a le droit de choisir son parti politique. Vous comprenez? Tout part du MRC et RDPC. Toi et moi, on n'avait jamais eu de problème d'ennemi. Tout au contraire, j'étais fan. Puisque moi, je la suivais beaucoup. Donc, quand Flore arrive ici, Amen, quand même, j'ai dit, j'espère que tu es assis. Parce qu'après, je vais te laver. Quand Flore arrive ici, au Cameroun, elle est en bon, très bon terme avec Amen, quand même. Et Amen, quand même, me dit, Guylaine, tu sais, on a besoin de Flore. Écoutez très bien. On a besoin de Flore parce que là où c'est là, même demain, après-demain, on aura besoin des influenceurs forts pour faire revivre la toile au niveau de la politique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que j'ai dit non? C'était difficile. Après, il me dit non. Tu sais, quand Amen m'explique la chose et tout, il dit, mais on met même quoi? Flore, moi j'ai dit, je parle beaucoup avec Flore. Flore, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Et comme moi, mes gens, vous savez, les gens disent souvent, ma façon de faire les choses, ma façon de prendre la vie, les gens trouvent toujours que je suis naïve. Et pourtant, ce n'est pas la naïveté. C'est que quand tu n'es pas rancunière, tu n'es pas... quand tu n'es pas rancunière, oui, et quand tu n'as pas de la haine, même les choses les plus désagréables, le jour qu'on te dit laisse tomber, tu laisses tomber et tout. C'est là où Amen me dit que Flore est à Yaoundé. Bonjour Lily de la Tour. Il me dit Flore est à Yaoundé. Et moi j'aimerais que on se rencontre. J'avais déjà invité Amen, on était au Hilton. Après il dit, il y a Flore qui est en train, qui m'écrit là, elle est entrée dans Yaoundé. Et tout et tout. Invitons-la et puis on mange ensemble. Après, je lui dis, ah, je ne sais pas si elle sera d'accord et tout, parce que ça a été très violent entre nous. Mais ce n'était pas de la haine, c'était quand même le premier contact et tout. Amen, quand même, se lève, il appelle Flore. Il dit, gars, on est au Hilton, je suis avec la belle de la République. Flore dit, il ne faut pas que... elle était sur haut-parleur. Flore dit, il ne faut pas qu'elle me tape la belle. Tu sais que elle est Yaoundé et que je suis dans son territoire. Amen, quand même, dit, non. On a pris une table pour quatre. Donc, viens, retrouve-nous au Hilton une fois. Je vous raconte l'histoire. Flore s'est arrêtée. Elle a, comme elle était en voiture, elle a fouillé son sac. Elle a enlevé les talons qu'elle avait au pied. Coucou, Lolo. Elle a enlevé les talons et elle a porté les sandales. Donc, les sandales, c'était que si ça tchame, mieux elle s'achame quand elle n'a pas les talons. Et elle dit ça au téléphone. Elle arrive, je vois une belle femme. La prestance, le sourire, la je m'en fous. Elle tombe aussi, moi aussi j'étais dans la je m'en fous. On s'embrasse et tout, on s'embrasse, on était en live. Avec Amen Kamer. Donc, on s'assoit là mes gens. Vous savez, Flore n'est pas une bordel. Hein. Flore n'est pas une bordel. Parce que moi je peux vous dire, l'entrée de Flore au Hilton. Combien de personnes ont abandonné? Vous savez, à midi, c'était à midi, c'était le buffet de midi. C'est là où tous les ministres, les DG, tout ça, ils prennent leur repas à midi. Je vous jure qu'il n'y a pas un seul capo là-bas qui n'a pas déposé son plat pour regarder Mafo. Parce que Mafo, quand elle entre quelque part, elle a une démarche. C'est parce qu'on dit que machin, il y a la démarche. Et comme elle sait s'habiller, elle est entrée. La manière dont... Il y a même un qui ne s'est pas retenu. Il est venu directement. Il a dit, c'est vous, Flore de Lille? Elle dit, oui, c'est moi. Il dit, j'aimerais que vous veniez vous asseoir sur ma table. Et tout. Venez carrément. Et moi, je connais ce monsieur, je ne veux pas citer son nom. Venez carrément que Flore aille s'asseoir sur leur table. Flore a dit, non, je suis avec mes amis et tout. Au moment de partir, hein, Flore est même partie. Elle n'a même pas eu le temps de tous ceux qui avaient déposé les machins. Elle n'en avait rien à foutre. On a pris le dîner, mes gens. On a mangé. Et ça s'est tellement bien passé. Nos injures et tout. Flore dit que, vous savez qu'une fois, Flore avait dit que les bambous savent préparer le couscous avec les légumes. Mais Madame Chapu, quand elle prépare le couscous, elle met le sable dans son légume.
Et qu'elle a rencontré quelqu'un qui a mangé le couscous avec les légumes chez moi, la personne lui a dit que c'était plein de sable comme ça. Vous comprenez? Loïc, Loïc est en haut. S'il te plaît, monte, tu dis, parce que moi j'ai l'argent sur Internet. Sur Internet. Monte, tu dis à Loïc. Et de lui faire, s'il te plaît, un dépôt de 10 000. Je vais lui rendre ça. Mais Jean, alors, elle dit que j'ai préparé. Exactement comme elle dit que Lolo a préparé le coquille avec le poivron. Elle m'a dit la même chose. Donc, on se rappelait des machins et tout et tout. J'ai dit, gars, j'ai même témoigné que j'étais vu avec les chiens. Ma soeur, j'avais vu ça où? Ma soeur, le clash de ça. J'avais vu ça où moi-même j'ai vu les photos. Je savais que ce n'est pas toi. Mais comme on était en clash, ma soeur, j'avais vu ça où moi-même mes yeux voyaient que ça c'est le clash. Mais je validais. Donc en fait, c'était un peu. On se reconnaissait des clashs et tout et tout. Après, on a repris nos casquettes des dames. Et c'est depuis ce jour que Flore et moi, le sourire n'est plus jamais reparti. Le même soir. Quand on se sépare, Flore dit, écoutez, j'ai un endroit ici à Yaoundé, on fait que les grillades, vous mangez à volonté et tout et tout. Ce soir-là, elle dit, on se retrouve le soir pour manger la grillade et tout. On est allé, on a mangé et tout et tout. Et voilà, ça s'est super bien passé. Moi, le sourire n'est plus jamais quitté de mes lèvres avec Flore de Lille. Alors, aujourd'hui, je reviens sur cette histoire, Kiki, parce que il faut que les gens sachent. Parce que tu es venu en retard, tu vas suivre, voilà, tu vas voir le live qu'a mère a fait, j'ai partagé une coupure et tout, voilà, tu vas. Salem, tu peux faire un Orange Money à la fille ici, parce que moi je ne vais pas arrêter mon téléphone. Je dis que j'ai 9 000 dans mon Dieu. Fais-lui 5 000 et puis elle prend 5 000 sur ma table parce que je ne peux pas couper. Ou alors elle est de. Viens, ne dérange pas Loïc. Mais Jean, alors, Amère Kamère, tout ça, ça a été organisé par toi. Ça a été organisé par toi. La réconciliation avec Flore Denis, ça a été organisé par toi. Jusqu'à ce que tu rentres en Europe et je remarque que tu attaques Flore. Et tout. Moi, de tout. Je comprends pas. Je comprenais pas. Moi, je disais toujours, quand les gens venaient me dire que tu as vu comment Flore Amère attaque Flore, moi, je disais tout cas, vous savez que c'est lui, il est dans ses folies là-bas et tout et tout. Je croyais toujours que c'était l'amusement. Jusqu'au moment où. Ok, je me rends compte que tu es sérieux dans les attaques, tu es sérieux dans la violence de tes mots et tout et tout. Moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui, Amère Kamère. On est très différents. Pourquoi? Parce que quand je pose un acte, c'est que j'ai d'abord jugé, j'ai d'abord examiné et j'ai vu les contours. Ça veut dire quoi? C'est ça, être un adulte. Un adulte, c'est celui qui fait des choix et qui les assume. J'ai donc fait le choix. Tu es venu aujourd'hui déclarer que j'ai un plan contre Flore de Lille. En fait, toi, tu as cru que si tu me dis on se réconcilie avec Flore de Lille, j'ai dit oui. Maintenant, tu me dis on ne se réconcilie plus, on tcham avec Flore de Lille. Moi, je dois tcham avec Flore de Lille alors qu'on n'a aucun problème. Amère Kamère, c'est la même chose avec Messan. On est bien avec mes sangs jusqu'au jour où tu as eu des problèmes, où il ne dormait pas et tout. Ah, c'est comment? J'ai demandé qu'il laisse. Les premières journées pour la semaine prochaine, lui, donc voilà ça. Et la vidange du truc? J'ai calculé, c'est dans les 103 000. Oui, c'est les prix. C'est les prix. Mais qui vidange la boîte, c'est lui? Oui, il peut nous aider. Mais. Parce que c'est 102 000. Voilà le truc qu'il a demandé. Le défimètre, demande le prix. Ah bon? Oui, c'est ça qui stabilise la vitesse et tout. Dans le conduit, après, tu vois.
Non, moi je n'ai pas de doute, mais. D'ailleurs, mon cas, je cherche un bail. Okay. Non, ça c'est pas. Pourquoi tu amènes? Il faut jeter. Pourquoi tu amènes? Non, je vais jeter. Oh, mais c'est... pour la vidange de la boîte. 103 millilitres. Parce que le litre d'huile, c'est. Ça oui, oui, il faut vider. Ça va prendre combien de temps? On peut faire ça le matin. Le matin, ok. Mm-hmm. Donc, Amen Kamen, moi j'ai vu comment monsieur Messan n'a pas fermé l'œil par rapport à ton problème quand tu étais au Cameroun et que Amot était décidé d'en découdre avec toi. Et c'est là où j'ai su que, en dehors de Facebook, les gens peuvent avoir une profonde amitié. Comment il a supplié Raymond Tchenga de venir au Cameroun et Raymond Tchenga conditionnait que lui ne paye pas son séjour, ne paye pas tout. Il faut qu'on m'appelle pour me dire que c'est moi qui vais prendre ça en charge. Ça ne me dérange pas que tu n'aies pas témoigné quand il niait. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi j'ai gardé l'amitié aussi, entre autres, avec M. Messan, parce que pour moi, je ne comprends pas comment tu peux cracher sur quelqu'un qui a été là pour toi, en fait. Et aujourd'hui, tu es l'ennemi de M. Messan. Moi, je ne peux pas être son ennemi par rapport à toi. Tu es l'ennemi de Fleur de Lille. Je ne peux pas être l'ennemi de Fleur de Lille par rapport à toi. Alors, je vais te dire quelque chose. Tu as dit que mon symbole, c'est serpent à deux têtes. Amen, Kamen, depuis 2018 que tu me connais, tu peux témoigner que je n'ai jamais eu faim et je n'aurai jamais faim. Aujourd'hui, tu continues à revendiquer tout ce que nous avons dépensé à Genève et tout et tout. Tu continues à le revendiquer auprès de l'État et tout. Mais tu sais que toi et moi, on sait que nous, on a fait la politique sans rien. Moi, personnellement, je n'ai rien reçu de personne. Alors, quand tu peux te lever et dire que, franchement, quand tu peux te lever et tu dis que j'ai un plan presque machiavélique contre Flore, je trouve que tu es méchant. Je trouve que tu es en train de sortir du cadre que j'ai toujours respecté entre nous. Parce que tu sais que je ne suis pas une personne fourbe. Je ne suis pas une personne calculatrice. Je ne suis pas une personne machiavélique. C'est-à-dire une personne qui rit avec toi et te poignarde demain. Je suis une personne juste et vraie. Quand on a fait la paix avec Mafo, j'ai découvert que c'était quelqu'un de pur. Moi, je ne dis pas vous. Et aujourd'hui, tu es étonné, ça t'énerve parce que le soutien que j'accorde à Mafo t'énerve. Pourquoi ça t'énerve en fait? Je ne pourrai jamais aller dans ton sens. Parce que, Amen Kamen, tu es un homme qui aime la visibilité. Tu es un homme qui veut prospérer sur la toile. Tu es un homme qui veut avoir un pouvoir sur la toile camerounaise. Mais la pire erreur que tu as faite, c'est de t'attaquer à une personne à un moment qui t'a donné cette visibilité. Il faut être honnête. Sois honnête, Amen Kamen. Même dans tes relations, tu peux faire la part des choses. Tu peux dire, comme tu as fait la part des choses avec moi, tu as dit à Compresseur, voilà, si Guylaine attaque Flore, moi, si Guylaine attaque Compresseur, moi, j'attaque Flore. Ça veut dire que tu as fait la part des choses. Et pourtant, tu sais très bien que ce qu'elle voulait, c'est que tu entres et que tu m'attaques. Parce que tu t'es dit, non, il y a des limites. Tu aurais pu faire ça pour Flore parce que Flore était ton ami. Mais tu as craché, tu as fait. Mais personne ne va t'apporter la visibilité que tu aimes tant que Flore t'a apporté. Mais Amen, la visibilité, ce n'est pas dans la tête, c'est sur la toile quand tu te connectes en foi. Hein? Hein? C'est sur la toile, on voit Amen, Kamen. Nous, on a vu quand tu étais bien avec Flore, quand tu te connectais, la visibilité que tu avais. Alors, puisque c'est la chose que tu veux le plus, je sais que tu n'es pas mendiant. Ça, c'est clair. Tu es un gars, tu es quelqu'un d'honnête. Et rares sont les personnes à qui tu demandes. Même quand tu étais avec moi, tu me demandais rarement. Tu es quelqu'un, mais je ne comprends pas comment tu es devenu. Là où tu te retrouves, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Hein?
Flo Delhi t'a accordé sa sympathie. Pour Flo, il n'était pas question que vous soyez amants. Mais c'est vrai que tu ne l'as pas dit directement. Tu amènes toujours les gens à comprendre que tu as des choses sur Flo, tu as des choses. Que si j'arrête de clasher compresseur, si je n'arrête pas de clasher compresseur, tu vas détruire Flo. Tu vas publier Flo. Au lieu de m'appeler, inbox et me dire que Guylaine, pardon, laisse un peu compresseur tranquille. Parce que tu sais que tu n'as rien de Flo. Mais moi, j'ai continué à clasher compresseur. Qu'est-ce que tu as publié de Flo? Qu'est-ce que tu as publié en fait? Non, mais tu dois réfléchir à un moment, Amer. Hein? Les choix que tu as fait sont bidons. Les choix que tu as fait sont... C'est pas pour toi qui aimes Facebook. Pour toi qui aimes Facebook, tu n'as pas le droit de te lever et me dire honnêtement que Guylaine est en train de préparer un coup avec Flor de Lis. C'est pas possible. C'est pas possible. Beaucoup de gens auraient pu dire ça de toi aussi. Parce que beaucoup de gens m'ont interpellé. Tu sais, même dans la brigade des patriotes, tous ceux qui étaient dans la brigade des patriotes me disaient, non, surtout pas Amer Kamer, pourquoi tu gardes toujours cette amitié, regarde comme il est, tout ça, tout ça. Mais je n'ai jamais écouté parce que j'avais dit que tu es mon ami. Et ce n'est pas les gens qui vont venir me détruire. Ce que tu ignores en moi et que tu sais, c'est que je suis très loyal en amitié. Parce que je l'ai été avec toi. J'ai été loyal avec toi. Alors sache que tous ceux dont je déclare qu'ils sont amis à moi, la loyauté s'installe. Moi, ne trahis pas dans l'amitié. Moi, je ne trahis pas en amitié. Et je suis vrai en amitié. Si je t'aime, je t'aime. Si je ne t'aime pas, je tourne le dos. Parce qu'avant de te tourner le dos, Amer Kamer, je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu as fait à mes sangs? Mais tu as arrangé puisque tu avais demandé pardon à mes sangs. Mais là où tu es arrivé à ce niveau, j'ai compris que bon, déjà politiquement, on n'était plus compatible. Quand tu as commencé à insulter le gouvernement, tout ça, tout ça. Si ce n'était que le problème de Facebook, allez, moi j'allais déjà t'appeler pour te dire que gars, stratégiquement, voilà. Comme on a l'habitude de fonctionner. Mais quand tu t'es attaqué et tout ce que tu as fait, j'ai dit bon voilà, c'est la fin. C'est la fin. Mais ne fais pas croire aux gens que c'est pris la sympathie, l'amitié qu'il y a, que je donne à Flore. Parce que tu vois que Flo a besoin de mon amitié. J'apporte toujours, je suis sympathisant de la team pédagogiste. Je suis sympathisant. Tu crois que Flo a besoin de mon amitié pour que je lui apporte quoi qu'elle n'a pas? Elle n'a pas. Moi, je vais lui apporter quoi? Puis même si j'ai un événement que je l'invite, elle vient. Je l'invite par rapport aussi à tous ceux qui l'invitent dans le monde entier. Pendant que je vais l'inviter au Cameroun, les gens l'invitent aussi aux États-Unis. Toi, tu crois qu'elle a besoin de moi? Pourquoi ça te fait, Amer avait demandé pardon à monsieur Messa avant de replonger encore. Il a replongé quand ils se sont alliés dans les trucs des Bassa avec compresseur. Amer Kamer lui a demandé pardon à Messa. Messa m'a écrit. Pour me dire, Guylaine, écoute, calmons-nous. Mon petit frère est venu me demander pardon. Je peux publier le message. Et je l'ai appelé, puis je l'ai félicité. Hein? Alors, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Moi, Facebook ne va jamais me faire changer. Jamais de la vie. Hein? Moi, Facebook ne va jamais me faire changer. Donc, je tenais à dire que, Amer Kamer, je n'ai rien. Je n'ai aucun plan contre Flore. Ça t'énerve parce que tu te disais que j'allais te suivre dans ta bêtise. Moi, je ne suis pas les gens dans la bêtise. Je ne peux pas te suivre dans ta bêtise. Je ne te suis pas. Mais, Asma, moi, je ne mens pas. Hein. Tout ce que je dis. Non, Kiki. Pourquoi tu dis qu'on ne lui accorde pas de l'importance? Hein? Amer Kamer, c'est une. Oui? Bonsoir, madame. Oui? Il y a mon grand là, celui qui conduit souvent la voiture là. Oui. Oui. Dis-lui un peu qu'il y a une dame là,
Vous voulez quoi en fait? Bon, en fait, elle peut garer, je ne sais pas, puisque je lui ai dit qu'il m'a dit qu'il veut comme ça repartir. Non, mais il est parqué là. Il est parqué. Qu'elle essaie de je sais pas, de garer où elle peut. Ok, d'accord, c'est comme nous, madame. Mais oui. Donc, du coup, Ahmed Kamel, tu dois comprendre que j'étais toujours donné beaucoup de conseils. Tu fais. Les choix que tu as fait sans moi sont des choix catastrophiques pour toi, pour ta propre vie. Moi, je sais pourquoi tu es comme ça. Je sais pourquoi tu as ces positions radicales et tout et tout. Ahmed Kamel, je t'ai dit, on ne fait pas le chantage au RDPC. On ne fait pas le chantage au gouvernement. Si tu choisis faire le chantage, tu vas faire des sorties, tu vas faire 150 millions de vidéos. Tu seras ignoré. Quand tu as quelque chose à revendiquer, c'est le dialogue. On dialogue, on ne combat pas. Tu as compris? Dialoguons, ne combattons pas. Ça, c'est les mots du président de mon parti. Mais ce que tu es en train de faire là, ça ne va t'amener nulle part. Je t'ai dit l'autre jour, Paul Biya est à Paris. Pendant que tu organisais que maintenant, il faut qu'on fasse comme ci, on fasse comme ça. Ne faites pas les plans. Tu fais les plans pour prendre l'avion, ça va vous coûter moins, plus cher, le billet d'avion. Il est à Paris, finissez avec lui là-bas. Finissez avec Paul Biya là-bas. Ça sert à quoi de faire des plans de mer, des plans de guerre et tout, alors que toi-même, tu nous as dit ici que l'homme à abattre, c'est le président Paul Biya. Le président Paul Biya est sur le territoire français et il vous a même donné l'adresse de son hôtel et tout. Allez, formez tout ce que tu es en train de dire là. Ne perdez pas le temps, il ne faut pas qu'il rentre au Cameroun. Finissez avec lui là-bas. Alors, c'est pour te dire quoi? Entre ce que la bouche dit, la bouche déclare, et ce que l'homme est capable de faire quand tu n'es pas capable, quand il n'y a pas, quand ce n'est pas possible, mieux, tu ne dis pas ce que tu es incapable de faire. Mieux, tu ne dis pas. Voilà pourquoi je dis, tout ce que tu fais là, aujourd'hui, c'est parce que je ne suis plus avec toi. Sinon, j'allais te donner la réalité des conseils, Amen. J'allais te donner la réalité. Aujourd'hui, tu dis que moi, je vais... Moi, une femme comme moi, je vais faire quel plan derrière Fleur de Lille? Une femme qui mérite mon admiration. Mon admiration. Parce que quand tu as une mère et tu t'en occupes de cette manière, parce que le Cameroun encore, c'est facile. Amen, Amen. Parce qu'au Cameroun, il y a les tantes, il y a les oncles. En plus, elle a ses moyens. Elle prend trois personnes qui s'occupent, qui aident sa mère, qui lui font à manger, le ménage et tout et tout. Mais en Europe, elle est obligée de faire beaucoup, beaucoup de choses d'elle-même. Quand elle voyage même, le cœur est derrière. Elle a son fils, elle a ses petits-enfants, elle s'en occupe. Et tu sais que, comme tu dis que tu me connais, tu sais que je suis mère poule. Tu me connais, tu connais mes enfants, tu sais que je suis mère poule. Il n'y a rien qui suscite mon admiration que de voir une femme qui protège ses enfants. En plus, qui protège sa maman qui est encore vivante et tout. Parce que sa maman, c'est déjà une maman. Alors, tu dis que moi, je prépare un coup. Quel coup? Flo n'est pas dans la politique. Elle ne fait pas de la politique. Et elle est capable aujourd'hui de faire de la politique parce qu'elle a ce qu'il faut pour faire de la politique. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette ruse-là. Parce que, Ahmed Kamel, c'est la ruse que tu utilises pour que Flore ait peur de moi et tout. Mais Flore et moi, on ne se voit pas tous les jours. On ne se parle pas non plus tous les jours. Mais on s'apprécie. Flore me donne le respect que je mérite. Elle a le respect. Elle a le respect qu'elle mérite. Qui a dit que les stars ne doivent pas avoir des copines ou des amis? C'est ma copine, c'est mon amie. Et le jour qu'elle a un événement, j'irai la soutenir à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Oui, 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 oui. Parce qu'entre amis, on se soutient. Tu ne peux pas me manipuler. Tu ne peux pas montrer la tête comme si tu me traites de serpent à deux têtes, tout ça, tout ça. Tu sais très bien dans ton cœur que je ne suis pas comme ça. Parce que si j'étais serpent à deux têtes, je t'aurais lâché. Parce qu'il y avait mieux que toi dans la brigade des patriotes. Mais je n'étais jamais lâchée. Madame Cathy Meba, la nièce du président de la République, m'a proposé le poste de secrétaire général dans son mouvement Ahmed Kamel.
J'ai dit non, parce que je vous avais déjà dit oui. Je t'avais déjà dit oui. J'ai laissé l'intérêt. J'ai laissé toutes les ouvertures que ça pouvait me donner, parce que j'avais déjà dit oui au groupe d'Amer Kamer. Est-ce que tu comprends? Tu connais mes valeurs. Tu connais très bien les valeurs que j'ai. Maintenant, si tu as choisi aller dans la poubelle, reste dans la poubelle. Mais ne me noircis pas, parce que personne ne va te croire. Laisse-moi soutenir qui j'ai choisi. Qui nous avons choisi et que tu as quitté le bateau. C'est tout. Mais oui. Tout ce qu'on a eu à faire comme événement ici à Mer Kamer, toi qui étais président, tu étais le créateur de la brigade de patriotes. Je dépensais, je n'avais jamais demandé si tu avais un centime ou si tu avais deux centimes pour mettre. Et pourtant, c'était toi à la tête du groupe. Donc, c'était déjà que c'était du respect. Parce que s'il y avait d'autres personnes qui avaient... Il y avait d'autres personnes qui avaient mieux que toi. Mais j'étais toujours respectée, j'ai toujours donné ta place, j'étais toujours défendue contre vents et marées. J'ai toujours pris les balles à cause de ma loyauté. Et sache, tu le sais, ma loyauté, ça m'a toujours payé. Si en faisant ça, tu crois que moi, Guylaine Chapuis, ça va me faire frayer, machin, par rapport à Fleur de Lys, tu mens. Tu ne peux pas. J'ai dit qu'on va prendre l'état. On va faroter tous les événements que c'est Fleur de Lys qui est devant. Même si je ne suis pas là, j'envoie mon représentant parce que c'est mon ami. C'est ça qui est ça. C'est mon ami et c'est elle qui vaut la peine. Il y a Flore, il y a Lolo sur la toile. C'est tout. Si j'apprends que Lolo a quelque chose là maintenant, pac, qu'on dit qu'il faut faire le litchi et tout, je cotise. Oui. Parce que comme tu as dit que je supportais beaucoup Lolo et tout, c'est parce que Lolo et moi, on n'a pas eu de problème politique. On n'a pas eu... C'est clair que s'il n'y a pas eu de problème, c'est clair que Lolo, j'ai toujours aimé Lolo. Et Flore, toujours. Ta soeur, je ne l'ai jamais aimée parce qu'elle a un cœur noir. Elle a un cœur noir. Moi, je n'aime pas des personnes qui ont des cœurs noirs. Et je le lui ai dit hier. Et elle a fait l'événement. Je n'étais pas vue aller la supporter. Toi, ton travail, c'est seulement la supporter ici, face à Madame Chapuis. Non. Amen, Kamer, je veux faire ma crémaillère. Bah, ta soeur m'a insulté qu'elle n'ait pas de maison. Je vais faire ma crémaillère à Mer Kamer. Je vais inviter les gens. Je vais t'inviter, sachant que tu ne vas pas venir. Parce que, tu vois, j'arrive même pas à mal te parler. Parce que comme toi aussi, tu n'arrives pas à mal me parler. Même si demain après demain, tu me parles mal. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que vous savez que les bassas sont ceci par rapport à Mer Kamer. J'arrive pas. Parce que je ne peux pas faire ça à un ami avec qui a dormi ici. Qui est arrivé, qui s'est déchaussé, qui a dormi. Quand il faut dormir sur mon canapé, il dort. Quand il faut dormir dans une chambre, il dort. Quand il faut aller à la cuisine, il ne demande pas. Je ne pourrais pas le faire. Mais ça m'étonne, Amer Kamer, que tu aies été avec Flore. Et que tu arrives à faire du sale comme tu es en train de faire là. Je me demande comment est-ce que j'ai pu être même vraiment... comment j'ai pu te faire confiance? Tu dis que si tu as été 98 jours soir avec Flore, tu l'as enregistré 96 jours, tu sais toi-même que tu mens. Tu sais toi-même que ce n'est pas vrai. Et si c'est vrai, publie. Ça va? Hein? Yes. C'est l'heure? Dans 15 minutes. Dans 15 minutes, il est déjà là. Je l'appelle un peu. Amen, Kamer, tu sais, tu es conscient que ce que tu dis est faux. Parce que tu aimais beaucoup Flore. Tu sais que tu aimais beaucoup Flore. Et quand l'amour n'est pas réciproque, il faut éviter la haine. Tu as beaucoup aimé Flore.
Tu as mis ton essence. Jusqu'aujourd'hui, je sais que tu aimes Flo. Et ton problème, c'est que tu m'attaques parce que tu sais que je connais que tu aimes. Et qu'il faut que je convainc Flo pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Mais moi, je ne peux pas parce que je ne peux pas. Je peux pas forcer l'amour, en fait. Même si tu as 1000 choses sur Flo, même si tu avais, parce que tu n'as pas 1000 choses à publier sur Flo, tu ne peux pas. Tu as trop d'amour pour elle. Tu as trop d'amour pour elle. C'est tout. Et la pire des choses, c'est pas ce que tu devais faire. Hein? Tu ne devais pas t'enlacer. Tu peux draguer une femme même pendant 3 ans, la 4e année, elle accepte. En fait, c'est ça qui est le problème. Tu aurais pu garder ta loyauté, mais tu as eu des gens qui, peut-être, qui t'ont harcelé et tout, peut-être, parce que tout ce que tu fais là, Amen, ça ne vient pas de toi. Je sais que tu n'es pas un homme méchant. Je sais que tout ce que tu fais là, c'est parce que les gens te poussent. Fais, dis ceci. Et tous ces gens-là, tu vas les laisser tomber. Ouais, Amen, je te connais. Tu vas les laisser tomber. Merci. Tu ne bouges pas d'ici jusqu'à lundi. Est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit? Tu sors d'où? J'étais chez ma tante. Tu n'étais pas chez ta tante, j'ai appelé ta tante. J'étais chez ma tante à Tanambala. C'est là-bas qu'elle était. Ne fais plus ça aux gens. J'ai l'anniversaire d'Arlette demain. Elle n'arrive pas à voir du monde. Elle n'arrive pas à voir des gens qui vont faire la grillade pendant que les gens... je devais même recevoir encore son frère qui arrive. Moi, je ne peux pas. Ah, il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire ça avec les gens quand tu vis avec les gens. Tu ne bouges pas. Dis à Boli d'appeler Arlette et lui dire que tu es là. Une serviette, s'il vous plaît. Moi, je vous dis, Amer est encore très amoureux de Flore. Et Amer est le genre d'homme que il n'a pas connu les femmes qui lui ont dit non. Mais tout à fait. Il n'a pas été habitué aux femmes qui lui disent non. Puisque Amer est avec toi, pas il te trompe, tu sais qu'il t'a trompé, pas il doit 2 jours avec une femme, il revient, tu l'acceptes toujours. Il n'a pas été habitué aux femmes qui lui disent non. Et là, il ne comprend pas pourquoi Mafo n'a pas cédé. Mafo l'a pris plutôt comme un bon ami. Et lui, il n'aime pas ça. Amer, quand même, tu es un bon ami à Mafo. Mais tu pouvais faire comme ça 4 ans, tu quittes Facebook. Tu es au Cameroun. Les choses que tu connais là sont en train d'aboutir. Je suis à 90-95%. Où tu devais avoir tes dos, tu fais les choses ici là à Mandumba. Tu te retrouves avec un chiffre d'affaires costaud. On se prépare. On peut demander la main de Mafo. Parce que Mafo ne peut pas se mettre avec un pauvre. Non, ce n'est pas possible. Donc tu devais passer l'amitié et la relation de bon ami avec Mafo. Dans la pauvreté, en attendant que tu t'enrichisses, en fait. C'est ça. Le fait qu'aucun homme, aucune femme ne t'ait jamais dit non, tu ne supportes pas que ma faute t'ait dit non. Et ce qui t'énerve avec moi, c'est que tu, pour toi, tu veux que je continue le travail. Je continue à mettre dans la tête de ma faute que amen. Et comme moi, je ne peux pas. Parce que pour gagner de l'or, Tu dois te débarrasser du cuivre. Tu dois te débarrasser de l'argent. Tu restes seulement avec... Tu te concentres. Tu ne peux pas rêver l'or et tu es trempé dans les cailloux. Non. C'est tout. Aujourd'hui, tu as une belle femme qui fait partie de ta vie. Concentre-toi et tu oublies un peu Flore. Laisse Flore tranquille. Malgré que tu vois pas que malgré que tu le fait que tu te comportes mal avec Flore et tout ta visibilité baisse ta visibilité baisse mais concentre-toi sur ta compagne et tout c'est une belle fille c'est une belle personne. C'est un choix que tu as fait, tu oublies Flore. Moi je ne peux pas rester avec un homme qui a une fixation sur une femme. Parce que les injures que tu accordes à Flore, sur Flore, là, tout ce que tu dis sur Flore, c'est l'amour.
Il est digne, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est les pleurs. C'est tout. Il y a des gens qui disent que je suis en mission. C'est votre problème. J'ai mes dos. J'ai ma famille. J'ai tout. Quelle mission j'aurai sur Flore? Quelle mission? Alors vous voulez m'enlever auprès de Flore? Vous voulez m'enlever auprès de Flore? Vous n'allez pas réussir. Je suis parmi les sympathisants. À partir du 2 novembre, je serai sur la liste des financiers du groupe FDL. On part. Ouais. Vous êtes. À partir du 2, Flo va m'inscrire sur la liste des financiers du groupe FDL. Parce que je ne sais même pas comment. Ça doit être un groupe FDL. Que si tu veux être financé, tu fais tes preuves. Les nous, on va amener les idées. Moi, je n'aime pas qu'on m'attaque. Quand on m'attaque, je choisis là où je vais finir avec vous. C'est tout. C'est tout. Donc, toi aussi, Amen, je vais te demander de demander pardon. Demande-nous pardon, tu reviens à la maison. Parce que là où tu es là, tu es perdu. Vous n'avez même pas 50 euros. Tu as choisi compression qui n'a rien. Même à la fête de Massa, mon frère, tu n'es pas allé soutenir compression. Aïe, aïe. Et dans les histoires de Facebook, c'est pas sur Facebook. Nous, on va aller le 2 novembre. Si je suis au Cameroun, je prends l'avion. Igogo, le 2 novembre. Tu sais que c'est mon fort, non? Si j'ai pu faire ça pour le RDPC, qui ne me donne rien, mieux je fais ça là où ma femme va prononcer mon nom au micro. Et ça sera bon à moi. Elle va dire Guilette Chapuis. Et ça sera bon à moi. Maman Fadil le sorcier de ça. Asamba. Fadil le sorcier. Hein? Le groupe FDL. Ah mais c'est bon à moi. Tu sais que tu es ma personne, non? Tu es du côté de Ngoussa, moi je suis du côté de Flo. Corps à corps. Corps à corps. Tu as compris? C'est tout. Là où tu sais que tu es parti chercher là-bas, c'est ton problème. Et je vous dis que Amel doit être en train de rire la magie seulement. Amel est en train de rire. Je suis FDL. Toi, tu es TK Aura. TK Aura. Rendez-vous le 2 novembre. Amel, même si vous prenez 5 000 de découvert, tu sais que je n'ai rien. Même 5 000 de découvert, je vais prendre ça. Pour te donner le quoi. Amen. Amen, amen. Ouh. Mon ami, tu as oublié les Bamouns. Les Bamouns connaissent donner le boître. Je vais prendre le découvert. Comme tu sais que je n'ai pas les dos, non? Tu as dit que le compresseur a plus de dos que moi. Je prends le découvert. Tu sais que je suis crédible. Pour l'autre, là, tu sais. Sinon, on a pu prendre l'argent pour mettre dans le RDPC, toi et moi, avec la carte de M. Chapi. Ce n'est pas la soirée là que je ne vais pas prendre. Je veux cascader la carte, amen. Amen, amen. T'es qu'à Ouran. Amen, amen. Aïe, 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 aïe. Je vais te foutre le boîte le 2 novembre. Et je vais mettre quelqu'un là-bas. Je vais entrer, comme je vais prendre la table. J'attends. La table la plus chère, c'est ça que Mme Chapuis va prendre. Toi, tu n'auras tout ça calculé, non? Et prends la table la plus chère. Et je vais mettre une personne qui sera seulement là pour me faire les vidéos, là où quand je farote. Je vais t'envoyer. Est-ce que tu m'as bloqué sur WhatsApp? Tu ne m'as pas bloqué. Moi-même, je n'étais pas bloqué. Amen, amen.
Ce que tu es en train de faire là. Quitte là. Quitte là-bas. Hmm? 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 Je veux que ça sera mauvais avec toi, hein, Amen. Ça sera mauvais avec toi. Hmm? Je sais pas ce que tu allais faire là-bas. Amen a le gourmet de Flore. C'est tout. Tu as le gourmet de Flore. Moi, j'ai dit à Flore, elle m'a déjà envoyé la carte des tables. Moi, je veux seulement la table la plus chère. Amen dit qu'elle peut aller prendre. Et allez, je vais aller prendre l'argent là où tu connais qu'elle prend souvent. Hmm? Je vais aller prendre. C'est moi pour te donner. Et quand je vais faroter, je vais t'appeler, hein, à mes camères. Je vais t'appeler, hein. Je vais demander le micro, hein, de Fadil, hein. Je vais dire, pour l'honneur d'Amer Kamer, dirait, créateur de la brigade des patriotes. Amer Kamer, est-ce qu'Amer Kamer est dans la salle? Tu vas voir. Tu as pleuré. Et le lendemain, je vais t'appeler, on va rire. Alors, j'ai rendez-vous. Je suis en train de faire de très belles choses au Cameroun. Et puis, le rendez-vous était à 16h. Là, c'est déjà vraiment l'heure. Amer Kamer, tu sais très bien que je n'ai aucun plan. Je suis une Européenne, je suis une femme civilisée et j'ai le droit d'avoir des amis sur Facebook, de la sympathie. J'ai le droit de valoriser ce qui est valorisable. Et je ne manque pas en matière de compliments. Comme j'ai dit que ta soeur était mal habillée à la soirée, toi-même tu sais que c'était ça. Donc, j'avais prévu faire son décryptage aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu faire le décryptage parce que je suis en train de partir. Mais je vais trouver un moment pour faire le décryptage. Amer Kamer, à partir d'aujourd'hui, en conclusion, c'est que tu es le patron de la TK Aura. Et moi, je suis la patronne du groupe FDL. C'est tout. Parce que nous sommes les deux barons de la brigade de patriotes. Même comme tu n'es plus là, j'ai dit que tu es le patron du groupe là-bas. Moi, je suis la patronne du groupe FDL. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Kiki, ce qui va se passer, c'est qu'elle, le 2 novembre, j'attends ta soirée l'année prochaine. Mets-toi au travail. Toi, tu avais une boîte de nuit, mets-toi au travail. Parce que moi, c'est moi qui vais le 2 novembre là. Hmm? Merci beaucoup, Sylvie. Le 2 novembre. Hmm? C'est ça qui va se faire. Hmm, tu m'as déjà trop attaqué. Aujourd'hui, je te déclare mon amitié avec Flore. Hmm? Le salon le plus cher, c'est ça que moi je vais prendre. Hmm? C'est ça que moi je vais prendre. Hmm? Parce que moi j'ai dit, Amer Kamer, tu sais que moi j'aime trop me vanter. Hein, parce que je serai assise comme ça. Je serai assise comme ça. Hmm? Je serai assise comme ça. C'est tout. Tu sais que j'aime me vanter, j'aime les belles choses, j'aime les grandes choses. Hmm? Hmm? Tu sais que moi j'aime m'éventer, j'aime les grandes choses. Et j'ai le temps de bien gérer ça. Hein? Hey, Amer. Enfin, toi-même, tu sais qu'il ne fallait pas faire ça avec moi. Amer Kamer, toi-même, tu sais qu'il ne fallait pas faire ça avec moi. Ce que tu as organisé là, Amer, ça va très mal se passer pour toi, Amer Kamer. Ça va très mal. Attends. Il faut que. Attends. Hey. Attends. Dis que j'organise un coup de machin avec. Pour faire du mal à Flore. Hey, Amer, tu es allé trop loin quand même. Amer dit ça parce que j'ai déjà donné les couleurs. Hein. Mm-hmm. J'ai déjà donné les couleurs de la soirée. Hein. Mm-hmm. Mmh. Donc, là où c'est là,
Toi-même, tu sais ce que tu, ce qui t'attend. Hein? Une seconde, je suis en train de... Je veux faire quelque chose là, du bien. En ce moment, mais... Oh non. Kiki, je vais te bloquer. Voilà. Voilà. Parce que je bloque. Ta mère, tu es allé trop loin là. Tu es allé trop loin. On fait pas ça. Ce que tu as dit de moi, ça se fait pas. Je dis pas que quelqu'un a un plan machiavélique envers quelqu'un. Non, on ne dit pas ça. Je vais conclure le live en te disant. Tu sais qui je suis en tout cas. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Tu sais qui je suis. Et tu sais que quand je dis que je fais. Le 2 novembre, à mes camarades, je vais te démontrer que tu as fait le choix le plus merdique de ta vie. Tu as compris, non? Le 2 novembre. Et accepter me lâcher. Tu as accepté lâcher ta vie. Hein? Parce que je suis la seule. Tu peux prendre comme ça là, un réfléchir peut te donner parce que pour moi dans mon cœur, tu étais mon frère. Tu n'étais pas mon ami, tu étais mon frère. Donc pour moi, tu représentais exactement Emma que tu connais. Mais Facebook a pris le dessus sur toi. Il y a quoi sur Facebook? Il y a quoi sur Facebook? Ah mais il y a quoi sur Facebook? Tu sais que pour nous, Facebook, c'était pour la blague. Et qu'on avait positionné les choses. Qui allait nous rendre grands. Tu arrives, tu fais des conneries, tu te retrouves en train de manger les McDo. Je suis au golf, je suis dans le 16e. Le 16e du Cameroun. L'endroit le plus cher du Cameroun. Au cœur. Tu lâches ta soeur. Pas dans les conneries. Et dans les conneries. Qui ne te servent à rien. Et comme tu attaques ma flore, tu ne t'as rien fait du tout. Vu que tu as les trucs. Publie! Tu publies, on sera toujours là le 2, c'est ça qui compte. On sera là le 2, c'est ça qui compte. Je vais te mettre le boître. Ah, mais je vais te mettre le boître le 2 novembre. Il y aura une personne seulement pour t'envoyer les vidéos. C'est tout. Alors, je vous aime très, très fort. Vive la diaspora qui se bat. Vive la diaspora. On finira tous par retourner au Cameroun. Et encourageons les personnes qui se battent. Mais ceux qui mendient, on les écrase. Ceux qui mendient, on les signale. C'est tout. Oui, c'est une robe. C'est un couturier. On a un nouveau styliste ici au Cameroun pour ma robe. Pour celle. Un nouveau styliste au Cameroun. Qui fait de la teinture, qui fait de la création, qui fait des robes de week-end et tout et tout. Il a ici, c'est lui-même qui crée et il fait coudre et tout et tout. Si vous voyez, voilà, c'est des robes du dimanche, des robes de week-end. C'est un styliste camerounais. Voilà. Alors je vous aime très très fort. Je m'avais fait les belles choses. Parce que Flor de Lille, moi. Voilà le message que je te donne. Crée un registre des financiers du groupe FDL.
J'entre dans ce registre le 2 novembre. Et ne t'inquiète pas pour moi. Personne. Tu as le droit d'avoir des personnes qui t'aiment. Tu as le droit d'avoir des personnes qui t'apprécient. Et tu as le droit de recevoir tout ce que les personnes peuvent te donner parce que tout simplement elles t'aiment. Il n'y a personne qui est en train de monter quoi que ce soit qui te calcule, te fait du coup. Tu n'as fait du mal à personne. Tu ne fais que donner du plaisir. Tu ne fais que donner du sourire. Tu ne fais que donner de l'ambiance. On ne combat pas les personnes comme ça. D'accord? Tout ce qu'Amer Kamer dit là, retiens qu'il est très amoureux de toi. Et un homme à qui les femmes n'ont jamais dit non ont ce genre de réaction. Tout simplement. Alors, une fois de plus, je t'aime, je t'adore. Et puis, je vous aime tous. Bye bye.